Donc, mon idée ici, c'est de faire une watermark. Et donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller prendre tout simplement une courbe. Sur la courbe, on va assombrir très fort. Mon calque, il est en. Mon masque de fusion est tout à fait blanc, donc je vais l'inverser par CTRL I. Ensuite, je vais prendre un outil de sélection rapide. Voilà. Et dans l'outil de sélection rapide, je vais prendre l'outil de dégradé, où je vais partir du blanc vers le transparent. C'est peut-être un peu trop fort, donc on peut faire quelque chose comme ça. Et à l'intérieur, vous pouvez évidemment venir taper votre texte comme que vous avez envie.